Deuxième acte de reconnaissance, signé par l'honorable Habib Abintou Massoudi. J'ai sous-signé l'honorable Habib Abintou Massoudi avoir reçu un montant de 3 000 $ en main. Pas même dit. Vous avez fait la transcription. J'ai fait la transcription parce que c'est un document authentique. Un document authentique. Alors si vous faites la transcription, là, je crois que ce n'est plus authentique. Non, j'ai laissé les téléphones à la charge, je les ai envoyés à la rédaction. Je vous ai dit ici, notre confrère d'Africa News a publié ces décharges. Et personne n'a contesté. Je relais que ces décharges-là. On met de l'honorable Kimbu Awel, mise en cause encore pour la deuxième fois, qui est rapporteur, qui n'est même pas questeur, pour l'assistance des soins médicaux des masseurs venant de la veillée qui est la barrée, sénatrice honorable Vicky Katoumoua, signée le 2 avril 2021. Voyez les rapprochements des dates. Il n'y a que le rapporteur Kimbu Awel Cyril qui donne de l'argent aux sénateurs et il y a une liste bien précise, 13 députés. Je peux citer leurs noms. S'il vous plaît. Alors, nous allons tout droit au but. Vous nous avez lu des décharges de retrait d'argent. Vous parlez de 3 000 $ pour pouvoir faire partir Zoé Kabila et son gouvernement. À chacun. Alors, parmi les griefs au niveau de l'Assemblée délibérante, on cite la mauvaise gestion de la province et le manque de respect aux autres institutions dont l'Assemblée et les autorités nationales. L'Assemblée, provinciale et les députés nationaux. Donc, une sorte de grief qui ne tient pas la route. Tout ce qui est... C'est faux et archi-faux. Vous savez, même à partir de Kinshasa, même Télé 50 a diffusé plusieurs audiences du gouverneur Zoé Kabila avec les députés provinciaux, même avec les chefs coutumiers et même dans les publics, puisque j'ai lu la motion. On lui reproche même qu'il est loin de la population. Ce qui n'est pas correct. Vous avez vu les images. Et comment même la population s'était mobilisée contre la déchéance de Zoé Kabila lorsqu'on a commencé la démarche de faire partir une délégation de Kinshasa pour aller dans le Tanganyika, les soudoyer d'adhérer dans l'Union sacrée. Or, la vision de l'Union sacrée, selon le chef de l'État, Tshilombo, c'est de travailler pour le peuple. Zoé Kabila est en train de transformer les Tanganyika. Et la transformation des Tanganyika, c'est au bénéfice du peuple. Aujourd'hui, vous avez de macadam à Tanganyika. Vous avez de la lumière, quoi? L'éclairage public. Vous avez des bâtiments qui sortent de la terre. Vous avez des champs où les gens cultivent. Vous avez, entre autres, de projets pour mettre en place la cimenterie dans cette partie de la République. Une cimenterie qui date de longtemps, qui n'était plus opérationnelle. Et tous ces éléments créent des jaloux auprès de ceux-là qui ont adhéré à l'Union sacrée pour faire la guerre à Zoé Kabila. La politique est dynamique. Le frère de sénateur à vie Joseph Kabila, Kabangé, nous avons cité Zoé Kabila parce que c'est de lui qu'il s'agit, gouverneur de Tanganyika, a refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Alors que tous les autres gouverneurs l'ont fait. Pourquoi Zoé Kabila refuse-t-il d'adhérer à cette vision alors que le pouvoir a changé de camp? Il a refusé d'adhérer à cette union théoriquement. Pratiquement, il travaille pour le bénéfice du peuple. Ce n'est pas le fait d'être dans l'union sacrée. On doit être performant. La performance se juge par la réalisation de travail qu'on fait sur terrain. Et vous avez combien qui sont dans l'union sacrée? Regardez ce qui se passe au loin là-bas. Et le loin là-bas est par terre depuis que Mouyé est parti. Regardez, le loin là-bas est par terre. Voilà, et on a révoqué les uns, on a nommé les autres. Puisqu'on est dans l'union sacrée, on ne partage pas la même vision. Pourtant, sur le plan pratique, pragmatique, on partage la même vision. Sur le travail au bénéfice du peuple. Ce n'est pas le fait d'adhérer à l'union sacrée que je veux me faire membre ou aimer de la population, ce sont les réalisations. Nous, nous avons besoin des réalisations. Regardez la motion qui sera débattue demain. La motion des censures en l'absence du gouvernement. Qui est bloquée ici, à Kinshasa. Est-ce que vous trouvez cela normal? Vous allez examiner une motion en l'absence de celui qui est visé. Retenu à Kinshasa. Pour quelles raisons? Quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles il est retenu à Kinshasa? Est-ce que Zoé ne travaille pas? Zoé travaille et le Tanganyika se transforme. Alors, et nous avons besoin de ce type de travail. C'est une nouvelle province. La mobilisation des fonds ou des ressources financières connaît aussi un souci par moment. Mais le peu qu'il y a, on assiste à ce qu'on appelle une métamorphose de la ville des Calémiers et le décollage de cette province. Mais alors, quel lien entre les efforts qui sont fournis sur place et les détournements de fonds dont il est question, le manque de considération à l'Assemblée provinciale? On sait que quand même, c'est parmi les institutions un peu stables depuis un certain temps. Alors, détournement de fonds, qui y est passé par là pour établir les faits? Il n'y a aucun lien. Est-ce que l'IGF est passé par là? Il n'y a aucun lien. Vous l'avez dit. Je vous ai dit, tout est parti. Moi, je vous pose des questions. Tout à fait. Tout est parti par la corruption. À vouloir avoir la main mise sur toute la province et faire asseoir son pouvoir. Et le pouvoir unilatéral. Ça se dit même dans les opinions. L'actuel pouvoir ne supporte pas la contradiction. Et ce qui fait la beauté de ces pays, c'est justement la contradiction, la démocratie. Si je refuse d'adhérer à l'Union sacrée, mais je travaille pour la République, l'Union sacrée va passer. La République demeure d'éternité en éternité. Zoé Kabila n'est pas le premier gouverneur. Elle ne sera pas le dernier. Tous ceux qui l'ont précédé, dis-moi desquels ce gouverneur a posé des actes concrets plus que Zoé Kabila. Maintenant, on fait la chasse à la sorcière, le faire partir. On va mettre qui? Venez de le dire. Aucune inspection financière qui justifie qu'il y a détournement de fonds, mais ce sont les députés qui se réveillent pour avoir reçu, chacun en ce qui le concerne, 2 000 $, 3 000 $ pour mettre à mal les gouverneurs qui travaillent, qui mettent d'accord presque toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo. Pas seulement les Tanganyika. Lorsqu'on voit les images et ceux qui vont là-bas, disent que c'est extraordinaire, Tanganyika est en train de se transformer. Moi, la dernière fois, j'étais dans le Tanganyika. Ça date des camps. Ça date de 81. Il n'y avait absolument rien. J'avais que 10 ans. Il n'y avait absolument rien. Mais aujourd'hui, le DG Jean-Marie Kassamba y était. Nous avons vu les images. Est-ce que par rapport à ce travail, les députés provinciaux, malgré l'achat de vos consciences, vous ne pouvez pas mettre vos cerveaux dans le crâne et laisser les intestins dans les vôtres, plutôt de faire l'inverse, de prendre les intestins, les mettre dans le crâne. Vous êtes moralisateur. Mais tout à fait. Là, vous êtes moralisateur. Vous restez journaliste, justement. Dites-nous, sur le plan, dans votre analyse, est-ce que c'est incontournable la procédure qui est amorcée, ou il y a des menteurs qui peuvent faire en sorte que la procédure soit attaquée? Par exemple, en justice, parce que vous relevez là-bas quelques manquements, quelques vices des procédures. Justement, vous avez dit qu'il y a des députés provinciaux qui reprochent à Zoé Kabila les détournements. Qui a fait ces constats? Aucune institution financière qui a fait ces constats, qui a détournement. Et ils élaborent une motion de censure en l'absence du gouverneur, sachant qu'il est bloqué à Kinshasa. Mais la procédure voudra, c'est que vous me reprochez des dysfonctionnements des institutions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de postposer la plénière et la procédure? Question de se conformer, parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire crucifier quelqu'un sans l'avoir entendu. Mais ça date des temps immémoriaux. Même Jésus était appelé à donner ses moyens de défense devant Pilate et d'autres autorités à l'époque. Malheureusement, ils ne peuvent pas. Est-ce qu'on ne peut pas postposer pour l'écouter et ses moyens de défense, et ensuite parvenir justement à diligenter une enquête qui pourrait établir la mégestion? C'est tout ce que nous en appelons aux habitants de Kalemi, de Tanganyika, de se mettre debout contre cette manière de déstabiliser les institutions provinciales. Il faut que la population se mette debout. Nous leur avons cité les noms des gens qui ont perçu l'argent, qui ont vendu leur conscience pour faire de l'acharnement inutile contre le gouverneur qui transforme justement leur province à leur bénéfice. Puisque le chef de l'État l'a dit, je veux avoir des travailleurs pour transformer la République démocratique du Congo. Mais l'un des plus grands travailleurs, si pas cité, les trois gouverneurs, ils s'illustrent dans le bon travail, à bâtir leur gouverneur. Et ce sont ces gouverneurs qu'on fait la chasse à la sorcière. Nous demandons tout simplement, puisque la procédure est déjà amorcée, comme je l'ai dit, ils ont déjà vendu leur conscience, pour arriver à ce fin, nous demandons... Donc c'est incontournable. C'est incontournable puisque déjà c'est programmé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça va commencer demain. C'est depuis longtemps, lorsque l'Union sacrée a été mise en place, lorsqu'on a convoqué le gouverneur. Après l'action, Zoé Kabila et son gouvernement provincial n'auront-ils pas des marges de manœuvre pour attaquer l'action de l'Assemblée provinciale de justice? À moins que notre Cour constitutionnelle soit réellement Cour constitutionnelle, d'arrêter cette procédure. Je vous ai dit et j'insiste, le gouverneur Zoé Kabila est ici à Kinshasa et la procédure de le déchoir avec cette motion de censure va se faire demain à son absence. Quels sont les moyens qu'il va présenter? Il n'y a aucun moyen, il est absent. Qu'on lui donne d'abord le bénéfice de rentrer dans sa juridiction, qu'il affronte la motion et qu'il entende qu'est-ce que les députés provinciaux lui reprochent, qu'il donne ses moyens de défense. Voilà une bonne démarche. Mais le faire de cette manière, ça dénote déjà un coup prémédité. Pius Ngoy, je vous remercie d'être venu et d'avoir décrypté avec nous ce sujet d'actualité. Merci beaucoup, cher. On va rester avec... Donc on va garder notre regard sur Tanganyika et Kalemi demain pour savoir, avec cette intervention, si beaucoup de choses ne pourront pas changer ou tout simplement ceux que vous avez cités, si réellement ils ont eu une conscience chargée, s'ils ne vont pas revenir au bon sens. Voilà, merci. Merci. Pius Ngoy, nous allons prendre professeur Kaïmoa dans quelques instants. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est tout. Restez sur Télé 50. Très bientôt. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise. Sa culture. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Préparez-vous, bien, vous allez adorer Télé 50, simplement congolais. Benoît Kemo, bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous parlons de l'état de siège. Et nous n'entrons pas maintenant dans l'aspect définitionnel, des concepts. Nous revenons à la mission confiée aux officiers de l'armée, les officiers supérieurs de l'armée qui sont devenus des gouverneurs. Vous avez suivi des noms qui ont été cités pour le Nord Kivu et l'Ituri, leurs adjoints, 30 jours pour des résultats concrets, palpables. La mobilisation est totale. Vous avez suivi que c'est salué par les gomatraciens. Aujourd'hui, à travers beaucoup de manifestations, votre réaction la plus rapide depuis que cette mesure a été prise? Oui, Fabien, la réaction ne peut être que... Il y a beaucoup d'agitation dans les médias occidentaux. Hein. Oui, la réaction... On indexe ceux qui sont nommés des, par leur passé, voilà, politico-militaire, ainsi de suite. Bon, voilà. Nous, oui, on reste chez nous. Bien, bien évidemment. La réaction ne peut être que positive. Je crois que cette mesure n'a pas seulement réjoui les gomatraciens ou les Uturiens. C'est une mesure qui a réjoui, je dirais, tout le Congolais. Parce que la crise de l'Est, c'est une crise qui préoccupe tout le monde. Nous voulons vivre en paix en République démocratique du Congo. Et le président de la République, en arrivant au pouvoir, il avait dit qu'il allait se concentrer sur cette crise-là. Et aujourd'hui, 2 ans et demi après, il lance cette vaste opération. Et moi, j'ai senti dans cette opération l'essence élevée des responsabilités de la part du président de la République. Donc, c'est une mesure à féliciter parce que si c'était un politicien qui n'avait que des calculs politiques dans sa tête, il allait dire « je ne peux pas me lancer dans cette opération-là, peut-être que si l'opération échoue, ça va me créer des conséquences négatives en 2023. » Mais le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de prendre des mesures radicales face à une crise interminable et radicale. Je crois que... 30 jours, ce que c'est pas... Oui, c'est pas... C'est vrai que 30 jours, ce n'est pas trop, mais il faut toujours s'attendre qu'il peut y avoir une prolongation dans en cas de nécessité. Mais le fait déjà de prendre ces mesures-là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et comme lui-même l'a dit dans son discours, je l'ai suivi avec beaucoup plus d'attention, il a demandé à toute la population congolaise de soutenir ces mesures et de l'accompagner. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Toute la population congolaise de n'importe quel coin de la République... Mais il y a eu quand même quelques réticences dans les milieux des mouvements de jeunes. On sent que les médias en Occident sont trop critiques. Et puis, voilà, la société civile... on sent qu'elle vacille un peu entre deux positions. Oui, oui, Fabien, le mouvement des jeunes et tous ces mouvements... Est-ce que cela vous inspire l'agitation, surtout dans les milieux de certains politiques et de certains acteurs de la société civile? Ça s'explique par une chose. La crise de l'Est profite à un groupe de gens, à des entreprises multinationales, à certains pays étrangers. Et lorsqu'on se lance dans une grande opération comme cela, on se pose des questions de dire, s'il réussit, c'est notre crise qui commence. Et donc, ce sont ces entreprises-là qui voient déjà le début de leur crise dans cette opération, si l'opération réussit. Et comme ils ont des relais chez nous, ces entreprises-là financent certaines structures de sociétés civiles ou certaines associations et certains groupes, ils ne peuvent que faire agiter les gens qui sont à leur service pour dire non, il ne faut pas être d'accord avec ces mesures. Mais je crois que la majorité de la population congolaise, à part ces gens qui sont manipulés, la majorité de la population est grandement d'accord avec le président de la République pour dire « Président, allez-y » et lui-même l'a dit, toute la population doit être mobilisée, il a mobilisé aussi les journalistes. Et, non, on le fait. Même on le fait toujours ici. Hein. Je le vois. Et même on ne demande pas d'être mobilisé, on le fait toujours ici. Et le religieux, et donc tout le monde là où il est doit prier pour cette opération, pour que cette opération puisse réussir. Sincèrement, tout le monde ne peut que souhaiter grand succès à cette opération. Opérer sur les autorités militaires pendant cet état de siège, ce sont les non-originaires. Le président est allé puiser dans d'autres coins de la République. On n'entre pas dans les pièges et les analyses que vous connaissez, entre guillemets, des médias périphériques. Ah, mais nous restons Congolais et ce qui frappe l'Est de notre pays, ça nous frappe également. Alors, on reste objectif. et surtout positif. Je reviens à vous, ce choix, comment vous l'avez trouvé? On a choisi plus le Grand Équateur, on a choisi le centre de la République, et d'autres coins de la République, on n'a pas choisi l'Est du pays. Ces choix ne posent pas problème, je suis moi-même de l'Est. Ces choix a été salué par la jeunesse et la population de l'Est. Comprenez Fabien, un des généraux de ce pays qui avait montré ses atouts dans les opérations militaires, c'est le général Mbouza Mabé. Il n'est pas de l'Est. Pourtant, il est resté, ce nom est resté gravé dans, dans la crise de l'Est. Donc, quand vous allez à l'Est, vous allez... Mamadou Ndala... Bon, Mamadou est dans la, de la partie orientale. Oui, Mamadou est dans la province orientale. Et donc, vous comprenez qu'il y a des généraux qui ont montré de quoi ils étaient capables et qui ont travaillé pour qu'il ait de la paix effective à l'Est, qui ne sont pas de l'Est. Et donc, les enfants de l'Est, ils savent ça. Nous sommes conscients de cette réalité-là. Et donc, je n'ai pas encore entendu une seule personne de l'Est qui a contesté la présence, la nomination de ces personnes-là. Donc, les gens sont tout à fait d'accord avec les mesures qui ont été prises, avec les personnes qui ont été nommées. Vous avez vu même la réaction des gouverneurs, les gouverneurs de Nord Kivu, les gouverneurs d'Ituri. Et donc, nous attendons une solution efficace et nous sommes tous mobilisés et debout derrière le FARDC pour que nous puissions aboutir à une paix effective. Les affairistes s'agitent beaucoup, vous comprenez, ce dont les histoires, les affaires marchent très bien dans le sang des innocents et les massacres de femmes et des enfants justement et des hommes, mais sur place, pendant cet état de siège, comment les éloigner davantage et éloigner leur influence de la population afin que cette dernière collabore efficacement avec l'armée, avec les forces de sécurité et les forces de, de renseignement, de manière à ce que l'action soit très efficace et que les ennemis soient dénoncés et neutralisés. Comment les éloigner? Je crois qu'il faut déployer plusieurs stratégies. Donc, ce qu'appelle leur influence. Il y a la stratégie militaire qui est sur place pour écraser tous ceux qui sont en train de perturber l'ordre public au niveau de l'Est. Mais au même moment, la diplomatie, Christophe Lutundula Pala, doit travailler pour convaincre ceux qui sont impliqués parce qu'ils sont connus. De quelle manière? Il faut de la diplomatie de couloir. Il faut aller voir les gens qui bénéficient de la crise de l'Est. Ils sont connus. Il y a des méthodes diplomatiques qui doivent être déployées pour les convaincre et leur dire qu'ils doivent venir entrer par la porte. Ils ne sont pas philanthropes. Oui. Ils gagnent en désordre. Il faut alimenter les usines qui sont implantées dans les pays voisins. On peut toujours... Ces gens, quand ils viennent, ne sont pas évangélistes ou porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, Fabien, donc... Ils viennent pour les affaires dans le sang. On peut toujours leur parler, on peut toujours leur convaincre, on finit toujours donc par rencontrer même le plus sceptique. Et donc notre diplomatie, au même moment qu'elle est... Parce qu'on ne peut jamais prétendre dire... qu'on se lance dans une opération militaire sans aussi se lancer dans une opération diplomatique. Et donc, il est important d'avoir des actions diplomatiques de très haute envergure au même moment qu'il y a ces opérations qui sont en train de se faire au niveau de l'Est. Mais pour y arriver, vous, au niveau du média, vous ne devez pas aussi baisser les bras. Bon, nous, on les fait, vous connaissez notre approche, on les fait sans attendre l'état de siège. Et vous connaissez notre engagement patriotique pour cela. Alors, comme média, Télé 50, alors, Bruno Kaïmoa, c'est le président Félix Tshisekedi qui a un agenda, comment on appelle, qui a un carnet d'adresses fourni et dont le nom est connu dans les plus hautes instances internationales. Il est le président de l'Union africaine. Mais Christophe Lutundula vient d'arriver, vous lui demandez d'activer la diplomatie des couloirs. C'est pas... Bon, c'est un parlementaire rompu, mais c'est pas quelqu'un qui a un carnet d'adresses très fourni à l'occidental, quand même. Oui, oui, mais il faut du temps. Christophe Lutundula, c'est l'envoyé du président. C'est sur base de cet agenda du président que le président de la République va demander à Christophe d'aller voir l'une ou l'autre personne et parler avec, afin que la paix soit effective. Mais il y a encore un autre problème. Quand on se lance dans une mobilisation comme cela, Fabien, il est important, dans une opération comme cela, il est important que la mobilisation soit complètement totale au niveau national. La personne qui m'a précédé ici a évoqué un fait qui a attiré mon attention dans le sens de dire on n'est pas dans le moment de rentrer, de provoquer des crises comme cela au moment où on vient de lancer une opération de grande envergure à l'Est. Mmh. Et donc, des petits problèmes du type, on veut déchoir les gouverneurs, on veut faire ceci, on veut faire cela, on devrait d'abord garder ces dossiers et faire de sorte que l'attention de tout le Congolais soit tournée vers l'opération qui est à l'Est. En tant que chercheur, une de mes dernières publications, c'est « La vie est une concentration des énergies ». La concentration de tout le Congolais doit être fixée vers ces opérations pendant ce mois. Et on doit éviter des problèmes du type, on veut déchoir un gouverneur au niveau des Tanganyika parce qu'il n'a pas... Donc, au niveau du gouvernement, il est extrêmement important d'éviter que l'attention des Congolais soit détournée pour aller vers une autre direction. Parce que, imaginez-vous, il y a 26 provinces. On doit avoir la mobilisation de toutes les provinces pour accompagner les efforts. Spirituellement, ils doivent accompagner les efforts des forces armées. Les hommes de Dieu. Mais demain, nous risquons d'avoir l'attention de la population de Tanganyika détournée vers ce qui va se passer là-bas. À mon avis, on ne peut pas, dans une période comme celle-ci, permettre à ce qu'il y ait des distractions comme ce qui va se faire au niveau de Tanganyika, qu'on le veuille ou pas. J'ai un ami qui est recteur dans l'université de Kalemi. Il m'a confirmé effectivement que le gouverneur de Tanganyika, il est en train de faire de bonnes réalisations. Ce n'est pas intéressant pour le moment de distraire une partie de la population, une frange, qu'elle soit du nord, de l'est ou pas. C'est le moment le plus important de mobiliser tous les esprits de Congolais afin d'accompagner nos forces armées pour la victoire effective de ces forces-là. Bruno Kaïmoa, vous l'avez souligné, c'est extrêmement important, mais pendant ce temps ici, l'appel du président de la République aux pasteurs, à la société civile, nous le sommes, aux médias a été entendu. Alors si, au niveau national, nous restons mobilisés derrière les forces armées, les forces de sécurité, mais on a dans nos salons des médias, des pyromanes sur la télévision numérique terrestre, sur câble. Ces médias qui sont dans une autre opération, dans une autre dynamique avec leurs envoyés spéciaux ici. Vous connaissez comment réagissent-ils pour démotiver le peuple, démotiver les Congolais, dire voilà ceux qui sont, viennent d'être nommés, regardez leur passé, regardez, ils étaient appelés comme ça. Je ne sais pas si vous en tant que... également expert en relations interculturelles. Votre réaction, la plus rapide? J'ai lu la plupart des médias occidentaux, ils sont plus dans ça. Donc discréditer l'image de ceux qui ont pris la tête de nos provinces. Mais nous ne devons pas nous faire distraire par ces gens, parce que leurs intérêts ne se retrouvent pas dans ceux qui vont diriger ces provinces-là. Et donc, il revient à nous de nous mobiliser, de dire on ne va pas écouter ni Jeune Afrique parce que je venais de dire... C'est quand même une communication à l'international avec des gens qui sont ici et qui nous font très mal avec leur papier démobilisateur. Voilà, oui, parce que le problème, c'est quoi, Fabien? Le problème, c'est comme je venais de le dire tantôt, le président de la République a pris des risques politiques. Et donc, ça, il y a même le média occidental l'ont dit. Donc, on croyait qu'il allait garder, garder les statu quo pour se faire élire en 2023. Mais il lance l'opération maintenant. Et en lançant cette opération, c'est du quitte ou double. Il risque. Donc, ça peut perdurer et donc, ça peut les discréditer au niveau interne. Ou alors, il peut réussir et il va se regaillardir, devenir un héros national. Ça, c'est bien dit dans le média. Mais alors, là où on doit le féliciter, c'est le fait qu'il a pris le risque de se lancer dans l'opération. Et une personne comme ça, nous devons le soutenir, absolument le soutenir, aller derrière lui. Et donc, ceux qui ont la possibilité de pouvoir discréditer d'une façon ou d'une autre et les informations qui viennent de l'extérieur, les journalistes, les intellectuels, c'est le temps de le faire. Donc tout le monde doit être mobilisé là où il est pour dire nous sommes derrière le président de la République, nous sommes derrière nos forces armées, nous croyons fermement que la victoire est du côté de la République démocratique du Congo. Alors, c'est qu'on s'est préparé pour cette victoire parce que l'ennemi opère sous plusieurs formes. Revenons quand même, Bruno Kaïmoa, c'est extrêmement important, à cet autre aspect des choses. Les multinationales, vous dites qu'il faut une diplomatie de couloir, mais ce n'est pas... que ces gens vont abandonner la voie facile qui leur procure la fortune, les minerais, dans les conditions que vous connaissez. Ça, ça ne se joue pas là-bas, dans l'Est. Ça se joue à Washington, à Addis Abeba, ça se joue à New York, ça se joue à Paris, à Bruxelles. Ça devait être fait en amont, pas maintenant quand même. Oui, moi je crois, j'ai suivi vraiment avec attention le président de la République. Je ne crois pas qu'il a pris ces mesures par hasard. Je ne crois pas qu'il y avait du hasard dans ce qu'il a fait. Et donc je crois que lui-même, déjà en tant que président de l'Union africaine, il avait déjà pris de contact. Il sait de quoi il s'agit et il connaît qui fait quoi à l'Est. Et en lançant l'opération, il sait effectivement aussi qu'est-ce qui doit faire, qu'est-ce qui doit être fait la première semaine. Donc il doit y avoir, à mon avis, un chronogramme qui définit les opérations telles qu'elles doivent être faites. Et je suis extrêmement convaincu parce qu'il a aussi des gens qui travaillent à ses côtés. C'est vrai qu'on n'avait pas le gouvernement, mais on ne doit pas aussi oublier qu'il a des ambassadeurs itinérants, les gens qui l'appuient. Dans des négociations avec, l'extérieur. Et je suis sûr, connaissant bien la capacité de travail, surtout des ambassadeurs itinérants du président de la République, je suis convaincu qu'il y a un travail qui a été fait en amont avant que le président ne prenne la décision de lancer cette opération à l'Est. Cette question n'est pas démobilisatrice. Au contraire, c'est juste pour montrer à ceux qui tirent à boulet rouge sur les nouveaux gouverneurs militaires qu'il y a aussi un débat à l'interne. Mais leur passé, le passé de certains officiers nommés gouverneurs, vice-gouverneurs, est-ce qu'il a beaucoup joué dans le choix qui a été opéré par le président de la République et le haut commandement militaire de gens qui ont évolué sur place, qui ont connu par moments le mode opératoire, pas du coin biologiquement, mais de gens qui connaissent bien les méandres de cette nébuleuse dans l'Est. Vous avez compris? J'ai compris la question, mais je vais répondre à cette question de manière beaucoup plus claire. Quand l'AFDEL était lancée, quand on fait des études de manière beaucoup plus approfondie, on comprend que Laurent Désiré, il a été parmi les derniers recrues. Donc la dernière personne qui était sollicitée pour rentrer dans le mouvement. Il connaissait l'Est, mais on croyait qu'on pouvait facilement le manipuler. Mais c'est lui qui a sauvé ce pays. Parce que si lui n'avait pas intégré le mouvement, on allait arriver à la balkanisation. Et donc moi je suis tout à fait d'accord avec la nomination de ceux qui sont à la tête des provinces. Et nous devons leur faire confiance. Et nos ennemis, ce ne sont pas des hommes forts éternels. Quand on est dans une logique de guerre, il y a toujours des moments où on perd certaines batailles et des moments où on prend les devants de la scène. Je crois que le temps est arrivé pour que la République démocratique du Congo prenne les devants de la scène et pour qu'ils puissent, pour que ces pays puissent jouer son rôle des leaders au niveau d'Afrique centrale. Et moi, je reste convaincu, si le président de la République gagne le pari, il prend le leadership de cette sous-région. Et c'est ça le grand souhait. Et donc, nous voulons que la République démocratique du Congo reprenne sa place. La grande finalité, ce n'est pas... c'est pas la bravoure d'un homme, mais c'est plutôt l'essor de ce peuple qui souffre. Et son sort fait mal aussi aux dirigeants, bien évidemment, président de la République. Bien évidemment. C'est ça ce qui est extrêmement important. Oui, voilà. Et avoir aujourd'hui une personne qui décide de prendre des mesures comme cela, il ne faut que, on ne peut que féliciter et encourager, et alors soutenir des initiatives qui sont prises par cette personne-là. Et donc, félicitations au président de la République, toute la population est derrière cette initiative et donc tous les Congolais doivent se mobiliser pour accompagner nos forces armées pendant toute la période des opérations. On va voir à quel niveau justement les acteurs politiques du coin, les Congolais de la partie orientale, députés, ministres, leaders des partis politiques, mouvements citoyens, le peuple, les hommes d'affaires, à quel niveau ils vont collaborer avec les FARDC et la police. Nous allons voir à quel niveau la mobilisation est lancée. On va voir qui aime les Congos et qui aime les Congolais. Bonsoir. Merci Fabien.